Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez Dodd. Alors déjà, bonne année à tous, qu'elle soit riche de bons moments, de bonne santé, parce que ça, il va en falloir, vu que, surtout si vous êtes comme moi, que vous habitez en Picardie, la pluie et compagnie, le froid, et ben égale maladie. Donc, je vous souhaite à tous de passer au travers des grippes et autres gastro, parce que ça, c'est vraiment pas chouette. De profiter de plein de bons moments avec votre famille, vos amis, leur dire que vous les aimez, parce que, ben, c'est ça, c'est super important, c'est l'amour, l'amitié, c'est ce qu'il y a de vrai pour moi, en tout cas, c'est ce qui compte vraiment. L'argent, c'est sûr, il en faut pour vivre. On vit dans une société où sans argent, ben, on peut rien faire. Mais sans sentiment, eh bien, moi, pour moi, il n'y a pas de vie. Donc, je vous souhaite, ben, de trouver l'amour, parce que voilà, avoir un compagnon, une compagne, c'est géant. Moi, sans mon mari, je sais pas ce que je ferais. C'est mon moteur et mes enfants, voilà, c'est tous les trois, ils m'apportent beaucoup. Donc, je vous souhaite, vous aussi, de trouver ça, d'avoir ça pour cette année 2017. Si vous avez des rêves, des passions, des ambitions, eh bien, faites tout pour les réussir, parce que après tout, il y a que c'est nous-mêmes qui nous freinons. On se met des bâtons dans les roues en se disant qu'on n'est pas capable, mais faut pas, voilà, on est tous capables de faire des choses, mais il faut se prendre en main, il faut y croire. Donc, bon courage pour tout ça, pour cette année. Bon, bah voilà, je vais arrêter là sur tout ce blabla et on va passer sur le vif du sujet, le tenant de cette vidéo, qui est ma première commande chez Kiko. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de passer commande et je fais des paniers et puis à chaque fois je dis non. Et puis là, j'ai enfin, voilà, franchi le pas parce qu'il y avait moins 30% sur la commande sur des produits qui étaient déjà eux-mêmes à moins 50% par exemple, donc ça valait vraiment vraiment le coup. Et puis depuis cet été, j'ai envie de tester leur parfum, les deux parfums qu'ils avaient sortis, voilà, qui étaient un peu dorés, tout ça. Et là, j'ai vu qu'ils les avaient remis, parce que régulièrement, le site s'amuse à vous en mettre, à vous les retirer, à en remettre. Donc voilà, cet été, il y a eu. J'avais voulu en prendre et puis je m'étais encore réveillée trop tard. Donc là, quand j'ai vu qu'il les avait remis, j'ai dit vas-y, tente le coup. Et pour vous dire à quel point c'est rapide chez Kiko, dans l'après-midi, donc je vois l'offre, je prépare mon panier et le soir, au moment de le valider, il y avait déjà un des deux parfums qui n'était plus disponible. Donc bon, bah, c'est pas grave, j'ai réussi à en avoir un et j'en suis super contente. Je vais vous le montrer tout de suite après. Donc voilà, et je voulais aussi un des gros bronzers et évidemment, il n'y était plus. Et là, j'ai vu qu'ils étaient de nouveau disponibles sur le site, mais c'est plus dans mes finances, dans mes envies du moment. Voilà, faut savoir aussi faire des priorités, avoir des priorités dans la vie, et ça, c'est plus ma priorité, donc voilà. Mais toujours est-il que vous, si vous le recherchez et que vous l'attendiez, ben voilà, les gros bronzers très très beaux de la collection Wanderlust, quelque chose comme ça, qu'ils avaient donc fait cet été, il y a au moins une des deux teintes qui est disponible, donc si ça vous dit. Voilà, je vous passe l'info. Quand je posterai cette vidéo, peut-être que ça n'y sera plus, parce que comme je vous dis, c'est très rapide. Un coup, ça y est, et puis quelques heures après, ça peut disparaître. Donc voilà, peut-être qu'ils en ressortiront aussi au moment des soldes, puisque bon, bah la semaine prochaine, c'est les soldes, hein, à partir du 11 janvier. Donc voilà, on verra bien ce qu'ils nous proposent. Moi j'ai fait ma commande le 20 décembre et je l'ai reçue le 23, donc pour vous dire à quel point ça a été rapide, j'ai quand même payé 7,90 € de frais de port, donc ça je trouve que c'est cher par contre, ça m'a un peu, parce qu'en point relais il y avait je crois qu'un euro d'écart, donc ça valait pas tellement le coup, donc bon bah voilà, et puis mon mari m'a dit non, tant qu'il kiffe pas, passe la commande pour qu'on l'ait, pour que tu le reçoives à la maison, ça sera bien plus simple. Et sachez qu'il y a différents modes de livraison en point relais, etc. à la maison. J'ai reçu ma commande dans un petit carton comme ceci, je cache là parce qu'il y a mon adresse. Donc déjà je trouve le petit carton très très bien. Je n'arrive pas à me souvenir s'il y avait du papier bulle en plus dedans. Mais en tout cas moi j'ai eu aucune casse et comment il s'ouvre comme ça. Donc avec les petites languettes sur les côtés. Donc on peut même s'en servir du petit carton en le décorant un peu. Si vous me suivez, vous savez que moi j'aime faire du cartonnage, du scrap et compagnie. Donc lui il va être réutilisé, c'est obligé.
Donc, en premier, bah, je vous ai parlé du fameux parfum, donc je vais vous le montrer. Donc, c'est le Oasis Sunset qui se présente comme ceci. J'essaierai de vous remettre un petit peu les notes et tout ça, et puis le lien vers le produit s'il y a encore pour que vous puissiez le retrouver. J'en suis super, super contente. Moi, je trouve qu'il ressemble un tout petit peu, hein, je dis bien un tout petit peu. Donc, la bouteille, elle est comme ça. Déjà, je vais quand même vous la montrer, ça sera mieux. Qui ressemble un tout petit peu à J'adore. Il y a des petites notes pour moi qui me font penser un petit peu à J'adore. Ouais, surtout la première touche. Après, bon, comment il va bouger, j'ai envie de dire. L'odeur change, mais vraiment, au premier suite, à la première sensation, c'est cette odeur. Ça me fait vraiment penser à ça. En tout cas, moi, j'en suis très, 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 très contente. J'avais un peu une idée. Je me disais que ça sentirait peut-être un peu ça. Et j'avais eu le nez fin, justement, c'est le cas de le dire pour un parfum. Vraiment très bien. Il tient super bien. Moi, je le pulvérise sur mes vêtements, pas sur la peau, puisque ça reste des produits chimiques. Et je sais que c'est très mauvais. Surtout si vous en portez beaucoup le parfum, certains composants chimiques peuvent bloquer les reins. Donc, il faut le savoir. C'est pas. Voilà, hein, ça reste des produits chimiques. Donc, moi, je le pulvérise sur mes vêtements et je trouve, même si on dit qu'un parfum doit être mis sur la peau parce que c'est il est plus vivant et comme ça il va jouer avec vous, mais bon voilà, moi je privilégie ma santé en premier, donc je le porte sur mes vêtements et je trouve que l'odeur ne vire pas, elle reste constante toute la journée et je l'aime beaucoup et il tient très bien, donc j'en suis vraiment très très contente. Et lui, il coûtait à la base 33 euros et des poussières, et là il passait à 16,90 euros, donc moitié prix. Donc voilà, très très contente. Ensuite, je me suis pris un petit blush, donc c'était je ne sais plus quelle collection, mais donc c'était les blushs Cocoa Choc, comme ceci. Au moment où j'ai passé la commande, il n'y avait plus que cette teinte, donc voilà. Et oui, c'est donc la teinte 03 Adorable Pink and Peach, qui fait donc fortement penser à des carrés de chocolat. Et il y a un petit miroir à l'intérieur que je vais cacher pour éviter de vous éblouir. Et il est vraiment très très beau. Moi, j'adore. Il est très. Il est satiné, je ne dirais pas irisé. Et j'aime vraiment l'effet qu'il fait sur la peau. Voilà. C'est un petit peu poudreux, mais sans plus. Et je trouve que ce sont des couleurs qui sont vraiment très belles, qui se travaillent très très bien, qui tiennent très bien. Parce que je les ai eu. J'ai testé le plus pêche des deux. Et franchement, très très contente. Ça tient super bien. Donc voilà. Un très très bon produit. Très contente. Là, franchement, pour l'instant, sans faute. Ensuite, et donc le prix, celui-là était à 10,90. Je crois que c'était le prix de base, qu'il n'y avait pas de moins 50. Voilà, c'était 10,90. Ensuite, j'ai pris une poudre. Donc c'est la Radiant Fusion en teinte 01, poudre cuite. Donc le packaging en carton comme ceci. Alors le packaging, je le trouve, mais. Super, bon, ça va avoir des traces de doigts, ça c'est obligé, mais c'est vraiment très très beau. Et la poudre, donc il y a un miroir et la poudre est, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez mieux, et comme ceci. Je l'ai testé une seule fois parce que je voulais pas trop l'abîmer pour bien vous la montrer. Et bon, là comme ça, je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose, mais elles se font très bien dans la peau, elles se travaillent très bien, elle est très douce. Moi, elle correspond vraiment bien à ma carnation, donc j'en suis mais super super contente et hâte de mieux la tester. Donc elle, c'est sûr, vous la reverrez dans des paniers beauté. Voilà, ça, je vais la mettre en route puisque mes poudres à moi sont quasiment terminées, donc ça, elle va prendre le relais. Et la poudre était à 12,90. Ensuite, j'ai pris un Long Lasting Stick en teinte 40. Il y avait
des teintes qui étaient un peu soldées, je crois, et d'autres non. Il y avait des teintes qui n'étaient plus disponibles, évidemment. Et je me suis dit, prends un vert, parce que moi j'adore les ombres crème, j'ai pas mal de couleurs tatou, mais je n'en ai pas dans des teintes de vert. Donc bah, j'ai pris celui-ci, donc c'est un stylo rétractable. Ça se tourne, ça se twist. Et la couleur est juste superbe. C'est vraiment un très très beau vert. J'ai déjà fait des maquillages avec et ça tient du feu de Dieu. Une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. De toute façon, c'est justement pour ça que je faisais une commande, parce que les long-lasting, j'en ai entendu que du bien sur toutes les chaînes que j'ai pu regarder. Les filles en sont toujours très contentes. Donc je me suis dit, vas-y, fonce. Et donc, pas de regret. Pas de regret, parce que c'est vraiment de très bons produits. Et celui-ci donc coûtait 6,90 €. Et pour terminer, j'ai pris un double touch lipstick, donc rouge à lèvres en teinte 111. Donc ça, c'est les anciens packaging, puisque je sais qu'ils les ont refait, ils sont beaucoup plus classe, un peu plus gros pour moi, dans ce que j'en ai vu. Je l'ai pas vu en vrai, mais sur les vidéos. Et franchement, je me suis dit, bon bah là, il y a ceux-là qui ont l'air, ils devaient être soldés, ceux-là. Je crois qu'ils étaient, ou ils sont moins chers de base. Ils sont à 6,90, parce que les nouveaux, je crois qu'ils sont à 8,90, quelque chose comme ça. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un côté où il y a la couleur, et le deuxième côté où c'est un peu une espèce de gloss top coat. Brillant à lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai vu sur la chaîne de Val Beauty & Co, que j'adore, elle met donc la couleur, forcément. Elle pose le top coat, et ensuite, avec un mouchoir, vous pincez pour retirer l'excédent de produit. Et après, comme ça, vous avez le rouge qui ne bouge pas de la journée. Je l'ai posé là il y a très peu de temps, mais je l'ai déjà porté et je l'ai déjà fait. Et franchement, oui, ça tient super bien. Moi, je vous les recommande. La couleur est très belle, c'est très agréable à porter. Vraiment, encore une fois, un coup de cœur. J'adore, j'adore. Et donc, pour le total de ma commande, pardon, j'en ai eu pour 54,50 €. Mais comme il y avait les moins 30%, comme je vous disais, en plus des produits qui étaient déjà en réduction, ça fait que j'en ai eu pour 46,05 €. Donc j'ai eu 16,35 € en moins sur ma commande. Donc ça valait donc bah, quand même vachement le coup. Voilà ce qui conclut ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà craqué chez Kiko, si c'est une marque que vous aimez ou alors que vous détestez. Tous les goûts sont dans la nature. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à appuyer sur la fameuse petite cloche pour avoir les notifications quand je publie une vidéo, parce que sinon bah, je passerai à la trappe. Et déjà que je suis petite, moi je n'ai que 262 abonnés, mais que je remercie encore, bisous à tous d'être là et d'être présents. Voilà, si vous me suivez, si vous aimez ce que je fais, bah, n'hésitez pas à appuyer sur cette fameuse petite cloche bah, pour continuer à voir mes vidéos, parce que sinon bah, je vais vraiment passer à la trappe et voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.